cette grandiose mobilisation. On a voulu me faire comprendre qu'il y a un doute à Dingray quant à la détermination et à l'engagement de ces militants en faveur de l'UFDG. Vous venez d'apporter un démenti sans nom à cette fausse rumeur qui a circulé aussi bien à Conakry que dans le reste du pays. Dingray reste UFDG, oui ou non? Oui! Dingray, c'est UFDG, n'est-ce pas? Oui! Dingray, c'est UFDG maintenant! Oui! Dingray, c'était UFDG hier! Dingray sera UFDG demain! Nous ne pouvons pas, vous et moi, trahir la mémoire de Bamadou. Vous avez eu le privilège. Dingray a eu le privilège d'être la ville natale du doyen Bamadou qui a éclairé le chemin. Semaine de la vérité pour la Guinée. Vous ne pouvez pas accepter que l'UFDG soit traînée dans la boue à Dingray. Il faut que la victoire de l'UFDG à Dingray soit éclatante. L'UFDG n'aura pas besoin d'alliance. Pour prendre la direction de la commune, il faut que dès le départ, que Dingray, la liste de l'UFDG, gagne par 80%. C'est possible. Alors je vais vous demander de me mobiliser pour voter massivement pour la liste de l'UFDG et pour sécuriser vos suffrages. Vous savez, l'RPG a peur partout dans le pays. La plupart des militants de l'RPG ont décidé de s'abstenir de voter. Mais je suis convaincu que les militants du RPG de Dingray, pour sanctionner Alpha Condé pour sa mauvaise gouvernance, vont voter UFDG. Parce que l'abstention ne suffit pas pour le sanctionner. Il faut voter UFDG. Aussi pour l'avenir de l'unité de la Guinée et de la prospérité de ses enfants. Ce UFDG qui incarne ses valeurs, ce UFDG qui fera la réconciliation des Guinéens, ce UFDG qui va bâtir une Guinée unie, forte, démocratique et prospère. Aujourd'hui, les militants de l'UFDG ne sont pas seuls à Dingray et dans le reste du pays. Les Guinéens ont pris conscience que M. Alpha Condé n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Il a divisé nos pays. Il a aggravé la pauvreté. Il a bafoué les lois et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Nous ne voulons plus de ce régime et nous devons tous le sanctionner à l'occasion de ces élections locales. Et pour ce faire, il faut voter l'UFDG, il faut voter la liste de l'UFDG à Dingray. Pareil, on a déjà que maintenant, ma fille, Gapon, on est fille de Dingray. Voilà, que tu es que tu as eu Dingray, il n'y a pas de Dingray, il n'y a pas de Dingray. En le cas de Yalti, on va wanema ilo yidu FDG, ilo yidu ala jiselu, ilo yidu alimo, tetu lako wana kapere tapane deko. Awadunga nko hondo heidi, heidi ntito nun, osu uoti, le 4 février, la liste de l'UFDG ayant à sa tête. Il faut voter et sécuriser. Empêcher le vol et la fraude. Je suis venu non pas pour faire la campagne à Dingray, mais pour vous dire
et je suis reconnaissant pour tout le soutien que vous apportez à l'UFDG et à son président. Et je voudrais que ce soutien s'exprime massivement, clairement, le 4 février, en votant pour la liste dirigée. Alors je compte sur vous, il n'y a pas de confusion possible. L'UFDG n'a qu'une seule liste, c'est celle dirigée par M. Fodé. Il n'y a pas de liste UFDG, il y a une seule liste. Il y a une seule liste UFDG. C'est le dernier à la liste de qui? À la liste de Tatkonis, tout le monde. Liste UFDG.